Thank you.
banlieue, entre communes riches. Météo qui se termine sur la 1 et nous qui nous retrouvons sur la 2, comme par magie, à Montreux pour le journal de la Rose d'Or, troisième jour. Montreux qui est l'observatoire des télévisions du monde entier jusqu'à mardi. Et au menu ce soir, une leçon et démonstration d'hypnotisme à la télévision et le poste interactif du futur. Mais pour commencer, vous allez voir de plus en plus de jeux où l'on malmène les candidats. C'est une tendance qui d'ailleurs débarque en Suisse. Dans les pays anglo-saxons et scandinaves, un nouveau genre d'émission bat tous les records d'audience. Voilà le Mole. L'émission teste la résistance au stress de ses candidats. Même si tu le fais pas, mais au moins t'auras essayé, parce que là t'as rien fait. T'as même pas fait un pas là. T'as même pas essayé. C'est frustrant, merde. T'es pas d'accord? Même si tu montes là-dessus, que tu sautes pas, c'est pas grave. Mais au moins fais un pas, fais quelque chose, essaye. Et lorsqu'il se repose, un espion dans le groupe dénonce ceux qui auraient le malheur de craquer. Cette aflevering 100.000 verdient. Das nicht schlecht. À Big Brother, les participants sont enfermés dans un appartement. Après un certain temps, des liens secrets, jour et nuit, les caméras les filment. Dans ces deux exemples d'émissions, la règle est la même. Lorsque le public n'apprécie plus un candidat, celui-ci est éliminé. But du jeu, aller le plus loin possible et toucher jackpot. L'une des émissions en concours à la Rose d'Or, symptomatique de cette nouvelle tendance, s'intitule Get Hypnotized, qui, comme son nom l'indique, traite de l'hypnotisme, plus particulièrement du public que l'on hypnotise. J'ai dit le public, merci. Nous avons voulu vérifier la véracité de ce phénomène. Ça tombait bien, le producteur, l'hypnotiseur et toute son équipe se trouvaient à Montreux pour une démonstration. Nous l'avons suivi pour vous, ça se trouvait juste là-bas. Voici la nouvelle invention télévisée présentée cette année à Montreux. L'émission s'appelle Get Hypnotized. En français, cela pourrait s'appeler Sous Hypnose. La recette est simple. Vous mettez sur un plateau de télévision une présentatrice souriante avec de grands yeux, un hypnotiseur et un public de volontaires prêts à toutes les facéties. L'hypnotiseur, c'est lui. Il s'appelle Thor, comme ses ancêtres, les Vikings, puisqu'il est danois, tout comme le concept de l'émission. La formule est simple, lorsque vous n'avez plus de célébrités à inviter sur les plateaux, vous faites en sorte que le public lui-même joue les invités en les conditionnant pour leur faire incarner des rôles étranges. C'est là qu'intervient l'hypnotiseur. Dans cet extrait d'émission, il conditionne ce candidat qui va se prendre pour un extraterrestre, accompagné de son interprète, elle aussi sous hypnose. C'est dans cet état second qu'ils sont interviewés sous les yeux des caméras. Hello, hello, good morning. Are you okay? Welcome to this evening's program, where, for the very first time, we get to meet two genuine aliens. Hi, and welcome. Okay. Can you understand English? Yes, I understand English. Could you tell your friend that we're very happy for him to be here this evening? Yeah.